septième édition de l'Aglo au rythme du jazz va débuter le 27 septembre. Un programme riche avec 25 groupes répartis sur 3 semaines, avec aux manettes l'association Jazz 70. Elle applique depuis sa création une même philosophie. Autour de ce festival, eh bien, 3 axes. Tous les styles de jazz, très très important, c'est la marque Jazz 70. La nouvelle génération du jazz, avec ces musiciens qui font le jazz de demain, d'aujourd'hui, et évidemment les musiciens de la région, ils seront là avec des musiciens comme Raphaël Lemonnier et China Moses qui se sont rencontrés autour du festival de jazz en 2006. À l'affiche des pointures comme Lucky Peterson, Marcus Miller et bien d'autres, mais aussi de jeunes groupes comme le Quintet for Miles. Ils seront en première partie de Thomas & Co Trio. Jouer, donc c'est super important pour nous. En plus, c'est à côté de chez nous. C'est un festival que l'on aime depuis, qui existe depuis longtemps. On est très content d'être là. Et en plus, pour un projet qui nous tient à cœur, le projet Quintet for Miles. Donc, hommage à Miles Davis, au deuxième quintet de Miles Davis. 13 communes de la communauté d'agglomération de Nîmes accueilleront ces représentations. Avec un changement de dernière minute, où Tana Maria devait se produire en manduel, elle sera remplacée par Davel Crawford.